Et rebonjour la VOD, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Deadland, on est toujours en live et on allait parler à notre chef qui visiblement est connu pour s'inquiéter et en fait vu sa dégaine ça a l'air d'être un equalizer, hein. Donc un soigneur, pour ça qu'il s'inquiète. Alors, notre technologie est en train de se dégrader et ça inclut la tienne Prime. On pourrait vraiment se servir de cette tech, ça suffit! Je ne risquerai pas nos vies en attaquant une faction avec une haute technologie, une faction inconnue avec une grande technologie. Et raison de plus, ils sont aussi bien équipés que Castor l'a dit. Yeah, ça fait sens, hein, on peut pas dire le contraire. Hein. Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec le signe noir. Ah, ça c'est ta phrase de bienvenue, Xebus. Et c'est vrai que ça rime, tiens, dans mon cas. Alors, vous êtes de retour, reposez-vous, on parlera plus tard. Ok, on récupère notre petite récompense. Alors, le kit de réparation, ça fait quoi? C'est dans le... Ok, ça nous permet de réparer soit nos points d'armure, soit les armes endommagées. Ça, c'est uniquement utilisable en dehors des combats, donc on va le garder en dehors de l'inventaire. On l'a récupéré dans des caisses, c'est pour ça que c'est dans leur inventaire pendant le combat, mais ça sert à rien de l'avoir là. Alors, on a Nine qui peut nous donner une autre quête. Rester passif, ce n'est pas comme ça que nous avons gagné notre liberté. Prime, nous devons prendre cette opportunité. J'ai dit que ça suffisait. Défendre notre territoire est une chose, mais attaquer aux... Très bien, je ne t'en parlerai plus de nouveau, va te reposer. Alors, tu ne devras pas en parler trop autour de toi, mais la technologie de Tain a pris un coup pendant la marche de Wu à travers les Dreadlands. C'est quand on s'est enfui de notre esclavage. Je ne suis pas un ancien... Un sage de la tech, mais ça ne m'a pas l'air super bien. Je vois, merci pour t'être confié à nous. Du coup, c'est pressé. Un groupe de nos conscrits a été attaqué par des bêtes, et seulement l'un d'entre eux a réussi à revenir. Normalement, je ne t'enverrai pas pour gérer des bêtes, mais des ours et des sangliers qui se coordonnent, ce n'est pas normal. Effectivement, ça paraît étrange. On dirait qu'ils ont émergé d'une caverne près de nos frontières. Montre-leur que même la nature doit respecter la force des Scarbark. On est un peu abonné aux bêtes là pour le coup, sur ces quêtes, c'est pas de bol. Bon, c'est aléatoire, enfin la quête principale probablement pas, mais les quêtes secondaires sont aléatoires, donc c'est pas de bol, pas d'autre mot. On va aller rendre notre quête secondaire quand même, pour voir si on peut pas récupérer quelques petits bonus supplémentaires. Toc, donc c'est juste là. Allez hop, cette fois on va avoir notre récompense, sinon on rase tout. Hop là. Splendide! Mes gens m'ont dit que vous avez bien travaillé, merci beaucoup. Maintenant, notre brigade des flammes peut se rendre dans l'endroit et tout brûler. Oui, notre brigade des flammes est un peu différente de la plupart. Elle n'est pas très très traditionnelle dans son rôle, pour parler crûment. Ok, et du coup, on peut enchaîner. Est-ce que tu veux continuer notre collaboration? Il se pourrait bien que oui. Alors, tu vois, Glowhound fait face à pas mal de challenges. Et je suis morte de fatigue de tous les gérer. Il y en a certains qui ont été négligés depuis beaucoup trop longtemps. L'avantage avec Eevee, c'est que ça se crée de la même manière dans les deux sens. Exactement, je suis heureux que tu le notes.
Il est douloureux de constater, enfin non, il est malheureusement trop évident plutôt, qu'il y a d'autres villes dans le groove qui n'aiment pas notre présence. On a dû endurer des sabotages, de la désinformation et même des tentatives d'assassinat. S'occuper de ce problème est une partie de la grande tâche que j'ai mentionnée précédemment. Tu joueras, enfin vous jouerez une part vitale dans le chapitre qui est en train de s'écrire. J'ai besoin que vous gériez un gang qui est en train de se diriger vers notre réservoir à l'est. Ils veulent probablement le saboter. Mon intention n'est pas seulement de les arrêter, mais de suivre leurs traces dans l'autre sens pour retrouver leur origine exacte. Ok, protéger le réservoir. Ah, une mission de protection. J'en ai jamais fait, je crois. On verra si c'est différent des missions classiques. Donc normalement, on va quand même aller faire un tour dans l'autre avant-poste neutre, mais je crois de mémoire qu'on peut avoir qu'une seule quête secondaire en même temps. Ça évite de blinder trop la réputation trop vite avec tout le monde, quoi. Donc on a maintenant un personnage de plus dans notre groupe, mais on est toujours... on est level 2 pour la plupart de nos persos. Ok. Donc là, si on va là... Donc là, c'est c'est des fournitures médicales qu'ils recherchent. On va y aller au moins pour les caisses, de toute façon. Ah, il y en a une là. Un petit peu d'argent, parfait. Yep. C'est grand. Et une autre caisse. Ah bah voilà, c'est un peu mieux ça. On peut aller jusque là. Ah oui, il y a un monsieur. Carla. Ah, lui, il est pas content de ceux qui dirigent la ville visiblement. Il y a plein de caisses dans ce coin, c'est cool. Qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Ouais, vraiment du soin. C'est pas franchement un besoin pour l'instant. Mais c'est bon à savoir. Alors normalement, là je crois qu'il y en avait une d'ailleurs, les objets en rouge. On peut pas les acheter tant que notre réputation est pas assez haute. Donc on peut débloquer des choses avec notre réputation, c'est pas juste pour faire joli quoi. Pareil pour le marchand, je pense. Vous voyez, on peut avoir des trucs vraiment efficaces quoi. Faut qu'on soit exalté avec eux et en plus ça coûtera du glow, la lueur. Pour l'instant, on a de l'équipement de base. Bonne soirée Marude, merci d'être passé. Et notre quête est là. Ok, c'est ça, voilà. On peut avoir un seul contrat secondaire, donc si je lui parle, ça annule le précédent. Donc du coup, non. On va le garder pour l'instant. Où est la sortie? Non, par là. Bah, il y a un bouton. Putain. Excusez-moi. Alors. Hop là. Du coup... On peut tenter d'aller regarder un petit peu ce qu'il y a ici. C'est une mission de scavengers. On aura des crédits en bonus. Ok, c'est on trouve une zone qui pourrait être intéressante de fouiller, mais il faut qu'on garde en tête que d'autres personnes pourraient avoir la même idée. On va tester. Sait-on jamais. Alors... Ok, donc là voilà, on est sur une mission typiquement, la mission de type scavenger. Faut qu'on récupère le maximum de loot avec nos gangers et qu'après on s'enfuit avec, donc s'ils sont à terre, bah c'est mort. Et de plus en plus d'ennemis vont continuer d'arriver. Du coup, on n'a pas intérêt à rester trop longtemps, quoi. Ouais, sympa la tronche de leur logo.
Ouais, on va ajouter un fighter. Il est où Flo le Fou là? Bien sûr, on prend Flo le Fou. Carrément. Alors, chaîne de servitude, ça peut être pas mal. Enlever Pinhead, pareil, pour courir plus vite. Rangel, ça nous servira pas dans le contexte, je pense. Essayer de piocher un truc un peu mieux. Auto-repair. Bon, bah, c'est pas oufissime. Les challenges dans ce genre de mission, clairement, ça va pas être la priorité. Donc là, on va avoir plein de loot un peu partout. Et l'objectif, ça va être de remplir l'inventaire de nos gangers au maximum. Donc pour l'instant, visiblement, on voit pas d'ennemis. Par contre, vous voyez qu'ils peuvent apparaître d'un peu partout. Hein. Alors, comment on va planifier ça? On a un truc à ramasser ici. Mais il est un petit peu tout seul. On a quelque chose de ramassable quasiment immédiatement là. Et quasiment immédiatement là, donc on va mettre quelqu'un. Ah mais on voit, pardon, je suis con, on est déjà déployé en fait, on choisit pas notre déploiement. Ok, d'accord, du coup ça va changer un petit peu la donne. On va avancer avec la bête. Et là, est-ce qu'on a quelqu'un qui pourra aller chercher ça? On va envoyer Flo le Fou tout seul chercher le petit truc qui est là. Ici, ah là on voit un ennemi. The Teddy. Ah oui, il a un magnifique tatouage ours. Et c'est un sadiste. Gunslinger. Il est plus efficace avec deux flingues, mais il en a qu'un, donc ça tombe bien. Par contre, il a une petite armure qui lui donne un plus 1 de vie. C'est cool ça. On va planifier, Flo attire l'ennemi et fait diversion, Aminou nettoie la zone pour un balai, hop, c'est un peu ça. Flo il va aller s'occuper de ça, puis on va espérer qu'il n'y a pas trop d'ennemis qui va popper en face de lui. Et là du coup, il est assez proche, hein. On voit un autre ennemi ici du coup. Il va falloir qu'on s'en débarrasse d'eux si on veut quand même être capable de ramasser des trucs. Donc on va avancer avec notre tank, juste pour qu'il y ait la possibilité d'avoir le malus de 25% de chance de toucher là. Ah c'est pas notre tank, merde putain il est là le golem. c'est notre leader en fait. Autant pour moi. Bah du coup tu vas pas rester au milieu de la zone Aminou, tu vas te planquer. Changement de plan. De toute façon il se sera jamais suffisamment approché pour un Overwatch. Ah! Si le combattant utilise des points de compétence, enfin des points d'action pour bouger de quelque manière ce soit, il prend des dégâts. Merde, Flo le Fou va être immobilisé pour ce tour. Un dommage par point de. Par AP utilisé. Ouais, puis avec 4 points de vie, on va pas faire les cons. Hein. Bah, du coup, tu vas pas bouger ce tour là, dommage. Hein. Parce que ça disparaît si on ne bouge pas. Du coup, de fait, voilà. On va aller récupérer ça avec notre petit tank. Hop là. C'est quoi? Ah oui, c'est le Life Throne Pain, là, le petit truc qu'il a sur la tête, là. Oui, parce que pour l'instant, le premier dégât qu'il prend sera annulé. Mais vous voyez, l'inventaire est déjà plein. Alors, est-ce que je peux mettre des choses? Non, je peux pas mettre des choses directement là, on est d'accord. Donc son inventaire est déjà plein lui, donc il ne sert déjà plus à rien techniquement à part tanker. La bête par contre peut ramasser, hop, et revenir se cacher ou avancer un peu. Ici on a Funny Man, on dirait que c'est un truc spécial. Putain, c'est quoi ce flingue? On dirait un gang spécial, c'est marrant. C'est un sadiste lui aussi. Il a un pistolet trompette. Très très bien. On surveille aussi un petit peu s'il n'y a pas de truc qui apparaît dans notre dos, hein, parce que ça peut arriver. Bah du coup toi ce que tu vas faire c'est que tu vas protéger des fois qu'il y en a un qui pop et puis qui te charge. Hein. Ça sera toujours mieux que rien. Ici on a 25% de chance de toucher et il est trop loin pour faire beaucoup mieux malheureusement.
Un tir visé, ça fait 45, c'est pas ouf. Hein. On va quand même tenter. Ah, parfait. En plus, on a même réussi à lui mettre du saignement. Ah, c'est propre. GG. Toi, tu vas Overwatch ici, au cas où il essaye de faire des trucs pas très catholiques. Toi, pareil, tu vas Overwatch cette zone-là. Et toi, la bête, du coup, tu vas avancer un peu parce que ton inventaire est vide. Où sont les trucs? Il y a un truc à looter là, juste à côté d'une zone de sortie. Il y en a deux là. Donc ouais, faut qu'on avance. Tu vas profiter que t'es couvert par tes potes pour avancer un peu, même si visiblement ils ont possibilité de tirer. Hein. Ok, le Quicksilver poison est enlevé, c'est parfait. Il y a un mec qui apparaît là, c'est pas parfait. Ah bah dis donc, ils en veulent à Flo le fou, c'est un truc de dingue hein. Bon, ça c'est pas très grave comme, comme malus. Alors là, il attaque, Overwatch, parfait. Oh non, Aminou, t'abuses. Ok, il a raté, c'est parfait. Mais t'abuses quand même Aminou. Ouh, moins de dégâts avec son pistolet trompette. Ouais, j'ai vu que je peux monter en hauteur, ouais, y a moyen de prendre de la hauteur. Le problème des hauteurs, c'est que souvent, bah, y a pas de couverture. Donc, du coup, ça reste risqué quand même, quoi. Alors, est-ce qu'on peut mettre un truc intéressant? Ça, ça pourrait être pas mal. Off. Là, faut pas qu'on oublie, du coup, qu'on a quelqu'un dans le dos. On pourrait se mettre juste à côté de ce sympathique tonneau explosif. Alors c'est un peu risqué mais on va le faire. Vu qu'on le flanque. Bim, voilà. Ici 60% c'est pas dingue mais tant pis, on va tenter quand même. On fuit. On va le garder au corps à corps. On doit faire 15 dommages en mêlée. Mettre 3 ennemis à terre. Et avoir un combattant qui met 3 ennemis à terre. Ouais, c'est jouable, hein, je pense. C'est franchement jouable. On suit. Voilà. Là, on est pinned. Est-ce que on a un intérêt? Pour l'instant, pas vraiment. On va rester pinned et on va avancer tant bien que mal. Là, on va aller chercher le loot. Un petit peu de scrap metal, c'est pas si mal. Et on va couvrir éventuellement quelqu'un qui déciderait de se pointer. Qui c'est qui a des points d'action encore? Ah oui, la bête. 60% de chance de nouveau. Ah, raté, dommage. Ouh, la contre-attaque qui pique. La contre-attaque qui pique. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui enlever une action à lui. Il hésite, ok, il nous rate, c'est parfait, et la contre-attaque a fait le taf. Du coup, merde, par contre, deuxième attaque, on saigne, il va falloir qu'on fasse plus rien avec lui pendant 3 tours. C'est un peu chiant, mais c'était comme ça. Il nous tire dessus directement, et on est immunisé au dommage, vu que c'est notre les premiers dommages qu'on prend, c'est plutôt cool. Ok, là, on va taper avec Aminou. Ok, parfait, on va exécuter. Donc toi, tu saignes et te reste un PV. On est d'accord, il perd un point de vie par dès qu'il utilise plus d'un de point de truc pendant 3 tours. Bah du coup, tu vas rien faire malheureusement, hein. C'est un peu chiant mais c'est comme ça. Ici, comment ça se fait qu'on n'est pas considéré comme le flanqué? C'est un peu dommage. Donc on a 60%, on va essayer de le down. Parfait, et on va essayer d'utiliser notre, le reste de nos points d'action pour avancer un peu parce que... Il ne s'agirait pas non plus de trop traîner. Alors, il y a un système avec les petites flammes là d'inspiration où on se retrouve inspiré. Je ne sais pas exactement ce que ça fait. Je crois pas qu'il y ait d'indication quelque part.
Donc ça pour le coup, c'est un peu dommage. Mais on sait pas vraiment ce que ça fait d'être inspiré. Alors est-ce que t'as du loot à ramasser par là toi? Il y a un truc tout là-bas. Ça pourrait valoir le coup, tu vas te faufiler par ici. Et toi, tu vas aller chercher cette caisse-là. Des crédits, ok. On passe. Alors c'est risqué, hein, parce que s'il a une carte pour se relever, ça peut être la merde. C'est bon, visiblement c'est pas le cas. Toi, Aminou, t'as de la place dans ton inventaire? Je sais plus. Oui, t'as de la place dans ton inventaire. Donc tu vas avancer par ici. Toi, tu vas t'occuper de protéger notre bestiole. Et ici, on va avancer vers ce loot là. Ces deux loot là même. C'est parti. On trace. On a récupéré 4 loot sur 8. Donc il nous reste notre bête du coup qui ne peut rien faire. Heureusement. Donc là, normalement, ça fait 2 tours. Il devrait y avoir un truc qui apparaît. Ok, mais en plus, il apparaît en plein dans notre Overwatch. C'est plutôt cool. Il aurait pu apparaître n'importe où. Hein. C'est clairement un coup de bol hein, qu'il apparaisse ici. Hein. Lui est mort, il a laissé un loot, on va pouvoir le ramasser. Parfait. Ça coûte pas d'action normalement. Nickel. Donc toi tu vas prendre ça. Toi tu vas aller ici ramasser ça. USB stick. C'était autrefois utilisé pour stocker des données importantes. Maintenant faut qu'on se casse. Où est-ce qu'il y a une pointe sortie? Il y en a un là. Sur ce côté-là de la map, il n'y en a pas. Et au fond, il n'y en a pas. Donc il faut qu'on aille ici ou qu'on se replie. Du coup, c'est parti. Là, on va ramasser ça avec le chef au prochain tour. Toi, il faut que tu ailles finir ce fort peu sympathique personnage. Sachant qu'après il a plus de munitions, c'est ses dernières balles. Ah, il a laissé du loot. C'est presque dommage. Allez, je commence à te déplacer par là. La bête n'a plus le saignement, ce qui veut dire qu'elle pourrait aller chercher le loot. Parce que lui, son inventaire est plein. Du coup, ça ne marchera pas. Toi, tu cours par ici. Et Aminou, tu vas te replier. Bim. Et toi, bah tant qu'à faire, tu vas exécuter ce monsieur. Oula. C'est brutal. Et en plus il y a un loot, mais du coup t'es plein, on est d'accord. Hein. Ah, on a réussi à tuer tout le monde, donc on arrive à... ça termine la mission comme ça, d'accord. Ouais, Exebus il déconne pas, hein, la petite tatane là. Bon bah du coup on a rien réussi, donc ça fait 0 d'XP, pas de chance, même pas 2. Ouais, en général ils mettent un coup avec leur arme pour finir les ennemis, mais là le gros j'arrache les tripes avec les mains, il a fait de la gueule. Allez, on va faire la petite mission principale, histoire d'avancer un peu quand même. Ennemi inconnu, donc des bestioles qui se coordonnent, probablement que ce seront peut-être des druides, on verra. Et oui, quand on aura de l'XP, je la donnerai à Flo si je peux, ouais. Eh, c'est vrai que Zebus, parfois il faut un peu se salir les mains. C'est tout à fait vrai. Alors, après avoir marché pendant quelques minutes, vous sentez une odeur familière. L'odeur du sang. J'ai mis un peu trop de temps. Qu'est-ce que c'est que ça?
des proies qui marchent, enfin qui viennent se jeter avec joie dans la gueule du chasseur. Vous vous trompez, c'est nous qui vous chassons. c'est pour la mère de tous de décider. Voyons qui elle aura béni aujourd'hui. Donc comme prévu, enfin comme on pouvait s'y attendre, visiblement ça va être des druides. On y va avec tout le monde carrément. Alors on a un jam, ça peut être utile. IDX, ça peut être utile. La chaîne de servitude aussi. Et le metal skin, ça peut être pas mal aussi pour éventuellement poser un tank. Si tu parles de Xebus qui prend l'aggro très facilement, il est fait pour, hein, parce que son malus qui fait qu'on peut pas toucher les ennemis, enfin les ses potes, si s'il est là, fait que forcément on a envie de le faire tomber d'abord, quoi. Alors, si tu parlais de Flo qui prend l'aggro, il a pris l'aggro des cartes pour l'instant, mais il a pris aucune attaque. Donc là, on doit utiliser une seule carte tactique. On doit pas avoir un seul allié out of action, ça devrait être possible. Et on doit exécuter 3 ennemis ou plus. Ah, il y a moyen qu'on les fasse tous, là. Alors, ils se déploient. Ah, on va avoir une caisse à ramasser, mais c'est tout près d'eux. Et nous, on se déploie. Bah, pas vraiment, en fait. Visiblement, on n'a pas trop le choix. Il y a une caisse à ramasser de 4, mais c'est en plein dans leur zone. Et visiblement, il y a quoi? Un Tusk Shot. Très bien. Un Snarltooth. Et donc on a le chef. Donc ils sont 3. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on les exécute tous les 3. Et on peut pas se placer. Hein. Non, on est obligé de commencer dans cette configuration là. Donc c'est parti. Ouais, il y a moyen qu'on s'en tire sans utiliser de carte tactique. Par contre, à mon avis, la caisse, c'est mort. Hein. Alors ils peuvent courir jusqu'où? Ouh, ils sont rapides. Le chien là, il trace sa route. Hein. Donc cette fois on va prendre le vrai tank. S'il te plaît, merci. Lui il peut aller jusque là, donc on a pu avancer de manière à peu près safe jusqu'ici. J'aimerais sélectionner... Ah, des fois quand il y a des trucs sur le terrain en fait on peut pas les choisir, c'est un peu... C'est un peu perturbant. Toi tu vas aller te mettre ici Flo, puisque tu as ce sympathique bonus de 10% de chance de toucher quand il y a quelqu'un qui est proche de toi. Ce serait dommage de pas en profiter. Lui il peut aller jusqu'où? Non, il pourra pas nous tirer dessus, donc on va avancer au maximum. Par contre Amine, t'es un petit peu loin. Heureusement t'as du mouvement. C'est marrant, moi je me pose toujours la question, c'est peut-être pour ça que je perds Yurtuk. Tu veux dire que tu tapes sur les gros tas et tu laisses les faiblards te faire du DPS, c'est ça? Ah bah là t'as du bon bouclier humain Flo aussi. Hein. On peut pas dire le contraire. Pourquoi j'ai pas fini mon tour? Ah oui, il reste un point d'action à bout. Alors, il nous met un petit jam sur qui? Ah, cette fois c'est pour le tank. Les bêtes chargent comme des brutasses, ça m'arrange plutôt hein. 55% de chance seulement, t'es sérieux? C'est naze. C'est tout naze. Pourquoi il me dit 70 du coup là quand je le sélectionne? Ça doit être un bug graphique. Ouais, d'accord que c'est bien 55 hein. On est à ranged 50. Ah on a que 50 de ranged. Ah ouais il est nul en ranged en fait Amine, j'avais pas fait gaffe, il y a que 2. Bah du coup un petit aimon shot hein. Parfait. Ah c'est le bon côté, avec 2 armes hein, on peut faire un beau potentiel de dégâts. Du coup, ce qu'il faudrait c'est que toi t'ailles ici, mais que t'aies un pote avec toi. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va sectionner bouffe pour exécuter ce truc, puisqu'on est censé exécuter des gens. Alors je suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire, parce que vu qu'ils sont 3, le problème c'est que ils risquent de considérer qu'on a gagné avant de pouvoir exécuter le dernier quoi. Alors là on a 45% de chance, c'est pas ouf. Team player, ouais. Ça joue quand même, mais il a une couverture partielle, ouais, c'est ça qui fout la merde. Après il va être obligé de venir, hein. Donc on peut complètement overwatch comme un gros sac. Ce qu'on va d'ailleurs faire. Ici on va aller se mettre par là avec notre copain. On a 45% de chance sur le chef. Ce qui est pas mal mais pas suffisant. Et lui on va le mettre là pour pouvoir bénéficier du bonus de 25% de chance de toucher. Donc là lui est exposé mais vu que lui est plus proche, théoriquement il devrait avoir le malus. Et puis histoire de pas rien faire, on va mettre un overwatch. Ouh, ça fait mal. Alors là ça va être la teuf des overwatch, faut se faire plaisir les gars. Là il s'est arrêté, donc il a déclenché qu'un seul overwatch. Le premier tir de Flo le fou qui fait mouche. On peut pas dire le contraire. Par contre le deuxième rate. Allez, envoie-nous du rêve. Ok, parfait. Bon et bah du coup il est il a enrayé son arme. Non, tu vas aller exécuter ce truc. Voilà. Bim. Tu vas rester histoire d'être un petit peu à couvert, même si c'est pas fifou, non, t'aurais peut-être même été mieux ici. Toi, retire-nous le Unpined là. Tu vas aller là. Tenter le tir à 35, tant pis. Oh, ça passe, c'est beau! C'est beau! Le signe noir qui arrive des jets. Le truc improbable. D'ici, tu le vois ou pas? Non, tu le vois pas. Du coup, tu vas avancer. Tenter le petit tir à 35 aussi. Et bah, dis donc. Voilà. Là, par contre, on va pas pouvoir aller l'exécuter. Donc, on va pas réussir le dernier challenge, c'est dommage, mais. Ah on l'exécute même pas de toute façon. La promotion de canapé ça marche. Bah ouais ouais, hein, te cacher, montrer tes fesses, mine de rien, ça participe à la réussite. Hein. Alors pourquoi vous ne m'avez pas achevé? On respecte l'effort, rejoins-nous. Non, je suis seulement la mère de tous. Tuez-moi si vous le devez. Tu es intègre, je peux respecter ça. On a été envoyé ici pour nous occuper des bêtes. Notre tâche est terminée. Quittez notre territoire et vous pourrez rester en vie. Du coup, on a même pouvoir terminer ce truc-là, du coup. Carrément. Parfait. On a été assez rapide. Et bah c'est cool, en plus on a même du loot. Ah, on a peut-être pas ramassé ce loot. Bon, on a quand même réussi deux challenges et on a dit qu'on le donnait à Flo le fou. C'est pas suffisant pour te faire monter de niveau, visiblement, désolé. Bah, vu qu'on est à côté, on va aller la rendre. Hein. Dommage, on aurait peut-être pu recruter un mec pertinent. Est-ce que je continue tard? Non, là il va être 11h, je pense que je vais m'arrêter, c'est une bonne heure, en plus on est pile poil sur 34 minutes pour l'épisode de VOD. Du coup, t'as raison, on va s'arrêter là. Surtout qu'il n'y a pas de moyen de sauvegarder dans le jeu, on sauvegarde quand on arrive sur la map ou avec des points de sauvegarde réguliers, donc là on a dû sauvegarder en rentrant. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode et pour ce live. Je vous remercie beaucoup d'être passé. C'était franchement cool d'avoir des gens sur le chat et tout. Je vais essayer de les faire le mercredi, tous les mercredis à 21h. Donc bon, je peux être en vadrouille ou pas, donc je me laisserai des messages de toute façon sur les différents réseaux si jamais je suis pas dispo. Mais je vais essayer de caler ça en régulier le mercredi à 21h.
N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou pas. Et puis bah, pour ceux qui regardent ça en VOD, merci d'avoir regardé les épisodes. Et puis bah, du coup, à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.